travail immédiat. Ambassade de France et l'ambassade des États-Unis, tout comme la moto de la poste en Abamoti. Sauf qu'à Yokibi, son peuple, Batouba Tchaké, la place Kouana, à respecter la moto de 48 ans. Sa condition, dès lors qu'on a gagné la Yébisaï. Mais on a dit par rapport aux États-Unis, le bito négocié là-bas M23. Tout ça, pour ça, la négociation, Bison M23, c'est pour ma cause, on a eu ce paquet de Nabango Libé, Libé là. Tout ça, pour ça, la M23, c'est aux offres, la coûte M23, maman a eu. Napol Kagame pe mama na ye. Mama te bandi. Menta si fe ba finga na Paul Kagame. Mama na za problem na Paul Kagame. Na le ali pa Paul Kagame mkoni ni meya tiseke da zama ya mama na ye na kolia na ngo sa condition. Ye bi sa Paul Kagame ka ngabi sa kanake. Suka. Combien mo pesina na na Ukraine? Combien mo zo pesa na Ukraine? Combien vous avez pensé en Ukraine? Un milliard, ma arme, vous avez pensé en Ukraine. Mais pourquoi violation y a RDC, vous avez dit ma ngote. Vous avez dit ma ngote pour la nini. Mais tu comprends les abino. Comme vous êtes au félin, monde entier est contre RDC. Congo a se retrouvé un moko. À cause de nos richesses, nous avons souffri. C'est vous les Américains, c'est vous les Français. C'est vous les Américains, c'est vous les Français. La communauté internationale, nous sommes membres, mais nous sommes abandonnés par la communauté internationale. Jamais nous ne terroristes francophones. Mais, il y a un bon collègue, par exemple, il y a un singaya, il y a un lampa, il y a un chopri. Il y a un bon problème pour nous placer. Il y a un bon problème pour nous placer. Il y a un bon problème Congo et ça souvent daté. Américain, ma français, mais on a ma Belgique. Donc on prend bien ma jeune Abino. Tu sais que je m'en ai qui chef d'état, on ne connaît pas l'Abino Awawa. Quand c'est ma Bino, c'est 20-50. Puis je coupe de Robert, ma chef d'état, Zoba. Robert, une étiquette. Pour aller dans le négocier, ma passe 20-50. Mon cousin Abiso, l'air aïe président, la Mogo Bisso, tout au monde. À ces milliers, les bourgeois Abino ne sont. J'ai dit,
Et salité,
complicité de la bloc occidentaux, tous les peuples congolais, même dans ma village Nabiso, même dans ma de Kobaza na Poto, d'hôtel et Melipino, Tosa et Vienna Bino, et qu'on risque de comme un kamikaze à la Kaka Congo, tu vas nous commander Bino Congo, Poto comme un sapitier, pour tout ma bacamène à Bino, si tout mon disco, Bino comme un hôtel à Bino, télé à Bino aussi. Voici les journées dans ma vie, ma bacinda. Bino mon disco, vous allez. Et comme on a la ville, donc on a la Bino poussé et l'on peut aussi dire la Congo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, Fatih Béton, à ma décision. Papa, tu as la chute. Tu as dit que tu es. Tu nous as posé un bon carré qui est le plus chaud. Tu as dit que tu es un bon carré. Puis tu as dit que tu es un bon carré. En tant que tu es un bon carré, tu as dit que tu es un bon carré. Tu as soutenir Yotina Félix,
Je suis un peu plus de temps.
Je suis un peu plus de temps.
Dans sa nouvelle édition, Eshima Magazine met en lumière le travail réalisé par le ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara. Dans ses colonnes, le mensuel congolais revient sur le bilan de ce membre du gouvernement, Sama Lukonde 1 et 2, mais également sur son parcours et ses actions sociales réalisées principalement dans la province du Sud Kivu. À la une, élaboration des budgets 2022-2023, Aimé Boji aligne des chiffres historiques avec le rôle crucial que joue son ministère, c'est lui d'assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière budgétaire. Aimé Boji Sangara a mis toutes les batteries en marche pour améliorer les prévisions budgétaires et la qualité de la dépense publique tout en respectant le délai constitutionnel du dépôt des projets de loi des finances au Parlement. Sur les deux exercices budgétaires, Aimé Boji a réussi à élaborer à temps les projets de loi des finances pour les exercices 2022 et 2023, ce qui avait permis au Premier ministre de les déposer dans le délai constitutionnel. Un travail
qui a fait que le gouvernement aligne des chiffres historiques comme 16,8 milliards de dollars de budget en 2023 après son examen au Parlement. Au-delà de ses performances au sein du gouvernement, Aimé Bogi se consacre à plusieurs actions sociales dans la province du Sud Kivu, son terroir. Le dynamisme d'Aimé Bogi témoigne de l'avis des observateurs, de son engagement indéfectible en faveur du développement socio-économique du Sud Kivu. Autre titre à découvrir, mobilisation de recettes en 2023. DGI, Barnabé Mwakadi multiplie les stratégies pour atteindre les assignations fixées par le gouvernement à sa régie. Code numérique promulgué, la RDC a réglementé sa toile. Découvrez également un entretien exclusif avec Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique ODEP, et plusieurs articles économiques internationaux documentés et instructifs dans les pages d'Eshima. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.